bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. On commence à partir sur les chapeaux de roue et de vous en faire une régulièrement tous les week-ends, tous les vendredis maintenant. Disons, elle sera mise ce soir vendredi. Des fois, on la tourne le jeudi, mais on la met le vendredi. Et mon téléphone, il est là. On va l'éteindre. Alors, je ne me rappelle plus le numéro du unboxing, mais bon, ça sera marqué. Comment on éteint ça? 36. Non, peut-être. 37, hein, peut-être. 36, il me semble. Encore, on fait encore ça à l'arrache, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà, hop, il ne sonnera pas. Alors, on vous a sélectionné quelques tours. Déjà, vous le voyez, lui. Enfin, on l'a. Enfin, on l'a reçu ce matin. Donc, Jérôme s'est empressé de le regarder. On en parle tout à l'heure. Allez. Ça, c'est Mister Danger. Tout est parti aujourd'hui, tout ce qu'il avait réservé, précommandé, tout ça. Alors, on commence par quoi, Jérôme? Mais ça, au moins, on le pousse un peu quand même. Allez. Au moins comme ça, parce que là, si je suis là, ça va me déranger. On n'a pas... Des casse-têtes, des puzzles en métal. C'est une série de... Alors, on ne les a pas étudiés, on la regarde juste au moment où on l'a posé. C'est une série de 10 casse-têtes. Avec à chaque fois un niveau de difficulté, 1, 2, 3, 1, donc 1, 2, 3 au niveau de difficulté, c'est marqué là, les étoiles, ici, tac, 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 donc apparemment celui-là c'est numéro 3, celui-là niveau difficulté numéro 2, là encore 2, là encore 1, et ainsi de suite, donc il y a 10 casse-têtes, plaisir d'offrir, c'est très bien, ceux qui aiment bien les casse-têtes, et il y a à peu près 4 modèles. C'est pas à peu près, il y en a 4. Ouais, puisque c'est rangé par couleur, donc on a compris que c'était... Donc, je sais pas comment je vais vous les montrer sur le site, est-ce que je vais les détailler un par un, si j'arrive à trouver ce que c'est, mais voilà, ceux qui aiment les casse-têtes que vous voulez offrir, je connais pas le prix, je sais qu'il y en aura 4, avec 4 couleurs, donc c'est là où on connaîtra alors moi, déjà, la série violette, la série rouge, la série vert, et la série bleu turquoise. Il y en a déjà 4 que je connais là. Ça. Ouais, c'est les classiques. Ça. En forme de U, comme on voit à l'unité. Ça. Il y a le clou, il y a les. Donc je vous les montre. Je sais pas si vous arriverez à voir. Ouais, ça va être dur de voir là-dedans. Hein. Voilà. Donc chaque boîte a 10 casse-têtes différents. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Donc 10 casse-têtes différentes. Je ne sais pas s'il y aura des vidéos pour montrer lesquelles il y a dedans. De toute façon, si vous voulez faire une collection, vous les prenez tous. Si vous voulez offrir, ça fera toujours plaisir à qui vous l'offrez. Voilà, une série de casse-têtes qui va arriver sur le site. Je ne les ai pas encore mis, je vais essayer de les mettre ce week-end. En tout cas, ils sont jolis, c'est en métal chromé. C'est, au niveau visuel, c'est sympathique. On est dans la période cadeau, donc je pense que ça fera toujours plaisir de faire des cadeaux. Laisse-les dessus, dans l'angle. Comme ça, quand on ouvre la vidéo, on se rappelle, tiens, c'est là où j'ai vu... Ça me gêne moins. C'est là où j'ai vu les casse-têtes. Allez, donc déjà pas mal. Ensuite, on peut faire ça, c'est de mon côté. Alors ça, c'est... Ça va être rapide, vous allez comprendre de suite comment ça marche. Donc vous avez une prédiction là-dedans, et ici, je vais le tourner vers moi, vous avez un livre où vous pouvez constituer... Petite prédiction, il n'y en a qu'une, je confirme. Voilà, tu as montré la prédiction, d'accord. Non, je peux pas. Là, vous pouvez construire votre propre Lego, donc le Lego Père Noël, il y en a pas mal, vous les montrez, ça doit être sûrement, je ne me rappelle plus le nom, Superman... Batman, donc vous choisissez, il y a tous les Lego. Il y a des parties du corps. Voilà. En haut la tête, au milieu le tronc. Donc ça se fait avec des plaques d'immatriculation. Là, je pense que c'est spécial enfant. Tout à fait. Voilà, et vous leur montrez qu'il y a pareil pour les jambes. Donc ce que tu vas faire, Jérôme, c'est que tu vas couper ici, où tu veux, et tu vas choisir une tête au hasard. Allez, celle-là. Allez, je tourne. Okay. Une tête de gendarme. Oui. Maintenant ici. Au hasard, hein, il peut rifler, tac. Voilà, ici. Avec un corps de pirate. Ouais, un matelot. Un matelot peut-être.
Donc vous avez compris la simplicité. Allez. C'est un livre radio. Hein, Hop, et je vais couper ici. C'est à vous de trouver avec un pantalon un peu ouais, style jungle. Ouais, tigre. Tigre. Et j'aurais pu reconstituer le vrai bonhomme, remarque. Hein, aussi. Avec un peu de chance. Malheureusement, pour ceux qui vont dire est-ce qu'il donne le Lego qui va avec, non. Mais on a une belle prédiction parce que le Lego il serait petit comme ça, donc ça serait ridicule. Yes. Et yes. Si on regarde la prédiction, yes. C'est exactement la même. Il n'y a rien d'autre dans l'enveloppe et puis c'est pas du double face. Hein, voilà. La prédiction est unique, donc c'est bien parce que du coup le spectateur lui-même pourra voir la prédiction, donc c'est intéressant. Donc magie d'enfant, c'est à vous de trouver votre histoire. Magie d'enfant, c'est extrêmement bluffant pour un adulte. Aussi, hein. Oui. Ça reste des figurines, donc des Lego, donc c'est oui, ça fait enfant. Mais au niveau tour. Quand tu dis extrêmement bluffant. Sur un tour que les gens comprennent comment ça marche, on a du mal à y croire. Parce que nous, on sait que c'est un livre radio. Oui. Donc si tu dis c'est extrêmement bluffant à quelqu'un qui dit oh, mais ça va, c'est un livre radio, il a du mal à y croire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le livre radio, parce que nous, on fait le coloring book souvent. Hein. Tous les jours, on utilise des impads, tous les jours, on utilise des trucs comme ça. Et quand tu vois le résultat que ça fait. Non, parce que quand tu dis extrêmement bluffant, celui qui est en face et qui dit ouais, mais ça va, j'ai compris, c'est un livre radio. Ne pensez pas comme ça, ne réfléchissez pas comme ça. C'est pour du public qui ne connaît rien. Et comme il dit Jérôme, si on ne connaît rien, on sera bluffé d'avoir reconstitué comme la plaque d'immatriculation, comme tout. Exactement. Il y en a un autre, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus le nom. Il est là-bas au fond, en bas. Ah, roulette humaine. Human, voilà, toujours dans le même principe. Quelque chose, là. Donc voilà, ça s'appelait, on a oublié de dire le nom. Sketching Zengali 2.0. Et qui porte bien son nom. Exactement. Et comme vous pouvez le voir, il m'en reste deux. Ensuite, on verra après. Ça, on va pas faire la démo, mais on va lancer la vidéo pour montrer ce que c'est. Mais Jérôme, il peut montrer le matériel en même temps. Donc, Transparency, y a Alex Touchard et Alex Vergnaud. Donc, je l'ai regardé en entier. Donc Alex Vergnaud, ça fait un moment qu'il nous sort quelques petits trucs. Alex Touchard, hop, Alexis Touchard, pardon. Excuse-moi, Alexis, si j'ai... Hop, attends, on va pas sortir ça, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un effet de jeton qui va... on peut tout montrer, puisqu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de... On va dire de... Ça, c'est une carte bicycle avec un sticker posé dessus, donc c'est pas imprimé. Voilà, donc ça, c'est la fameuse routine classique où à la fin, on peut... où le jeton arrive sur la carte du spectateur, puis à la fin, tac, on fait tomber, puis le jeton tombe, et ainsi de suite. Mais Thierry mettra la vidéo en même temps que je parle. Donc c'est livré avec un jeton de poker. C'est livré avec... Le même jeton, mais entièrement en style comme les Omnipen et les Omnidec, là. Donc c'est la même configuration, mais en transparent. Donc voilà. Donc on va transformer ça en ça. Exactement. Donc c'est tout coulé en résine, donc c'est bien fait. Et donc, on a... Étant donné que ça disparaît, il va apparaître là-dessus. Et, par exemple. Et on a le même jeton en résine, mais avec une petite carte, un petit coin de carte qui a été mis à l'intérieur, si le focus veut bien se faire, donc qui est entièrement coulé dans la résine, ce qui fait qu'on a un effet où le petit morceau va être déchiré, bien sûr qu'il va correspondre à la carte du spectateur, mais qui est vraiment entièrement coulé à l'intérieur, donc on peut vraiment donner ça à examiner, et c'est vrai qu'au niveau effet, c'est très propre. La routine est bien pensée. C'est bien pensé, ça marche bien. Le spectateur ne sera pas bluffé parce que exactement. Il n'a pas le temps de... Parce que ça disparaît, il n'a pas le temps de réfléchir où il est quand on lui montre déjà ça. Tout à fait. Et tout le reste, on a déjà fait disparaître, donc ça va tellement vite qu'il y a plein d'effets dang qui s'enchaînent. Tout à fait. Donc voilà. Ça marcherait bien, il n'y a rien à dire. Le matériel est bien. Voilà. Est-ce que vous voyez en vidéo, si Thierry l'a demandé en même temps que je parle, c'est exactement ce que vous allez faire réellement. Voilà, donc c'est Transparency. Alexis Touchard et Alex Vergnaud. Hop, c'est dans ce sens-là qui se referme. Bien vu. On peut parler des choses qu'on montre pas encore. Ouais. Alors,
Comme ça, on va pas arriver à la fin. N'oubliez pas de mettre des j'aime. Parce que souvent... Alors, si vous êtes sur le site, si la vidéo, vous la regardez sur le site, vous pouvez pas mettre des j'aime. Il faut cliquer pour aller sur YouTube. Et de là, vous pouvez automatiquement mettre des j'aime. C'est un client qui me l'a dit. Et c'est vrai, je ne savais pas. Donc voilà, si vous ne savez pas où mettre des j'aime, il faut aller sur YouTube. Et là, vous avez l'option. Et les j'aime, on les aime. Donc mettez-les. Mettez-les, ça fait plaisir. Vous, ça vous fait rien. Nous, ça nous fait plaisir. Allez, continue. Lookalike, donc un petit effet de carte qui va être choisi. Puis en même temps, on va demander également aussi à un spectateur de choisir une célébrité. La carte qui aura été choisie, en fait, on va pouvoir la transformer dans cette fameuse célébrité. Alors, c'est toute une série de cartes qui a été imprimée spécialement. Donc, s'ils en donnent beaucoup, c'est parce qu'ils partent du principe où vous la donnez à la fin. On peut la donner. Voilà, on n'est pas obligé, bien évidemment, puisque donc, apparemment, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a six. Il y en a six de chaque. Il y en a six par famille. Donc, vous avez... Bon, je vais le montrer. Alors, pendant que tu parles. Bien évidemment, je pense que pour une question de coût, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile, c'est pas fait sur du bicycle. Même si la qualité au niveau trame s'y rapproche, vraiment, ce n'est pas du bicycle. Mais la texture de la carte est quand même très bonne. C'est-à-dire que pour une personne profane, vous insérez cette carte-là dans votre propre jeu bicycle. Ouais. Et je vous garantis que c'est, même si bien évidemment, le dos de la carte n'est pas une trame, n'est pas le dessin du bicycle. Hein. Mais tu vois, j'avais pas fait attention. Voilà, mais effectivement, on fait pas attention, donc ça, ne vous inquiétez pas pour ça. De toute manière, les gens font pas attention à ça. Maintenant que tu le dis, oui, donc, mais autrement, j'avais pas fait attention. Donc, parce que voilà, mais c'est... C'est vrai que c'est pas... Alors, il y a plusieurs routines, puisque du coup, on va utiliser plusieurs principes pour ce tour-là, notamment une petite carte, donc, qui a été répertorié. Donc, alors c'est difficile là, je vous en parle comme ça, mais c'est vrai que comme tu disais, des fois on en parle, mais si on fait pas le tour, ça sert à rien. Le problème c'est que quand on voit les effets, on voit que un type d'effet dans le teaser, alors qu'en fait il y en a plein d'autres. Et du coup c'est vrai qu'il faudrait... L'effet classique, c'est vous prenez une carte. L'effet de base... Vous faites une levée double et vous lui posez celle-là, et là il n'y a rien à faire. Boom, exactement, ça a changé. Donc on a retrouvé la carte, mais en plus ça a changé dans l'acteur qui a été choisi. L'autre effet, c'est on montre un vrai roi de trèfle par exemple, un roi ou une dame. Oui, tout à fait. Et d'un seul coup, boum, ça se transforme à vulpe parce que on a subtilisé les trucs qu'on avait rajoutés. C'est facilement compréhensible quand on voit le teaser, mais je pense que ça peut être bluffant. Comme on voit les réactions du public, je pense que c'est des vrais... L'idée est bonne. L'idée est bonne. Ouais. Et après, on offre la carte Marilyn, on offre... Alors, est-ce que ça... Non, celle-là, non, on l'offre pas, celle-là. Celle-là, la dame... Ah si, elle dit celle-là. Ils sont 7 de chaque. Oui, voilà, c'est ça, ils y sont. Alors, est-ce que, il y en a qui vont dire, si je prends ça, je le mets dans un vrai bicycle, ça va se voir? Je pense pas. Non, c'est... Bah, ce qu'il faut faire, il faut le rajouter dans un vrai après, bicycle. Après, la texture, la couleur, et effectivement, elle diffère un petit peu, mais ça, on s'en fout, puisque les gens n'ont pas le... Vous pouvez faire un forçage comme ça, donc ils ne verront pas le dos. Oui, mais même, ils ont pas la référence, c'est-à-dire que si on leur laissait une carte à côté, oui, mais je pense que même pas... Vous pouvez dans un bicycle rouge, ils ne verront pas que ce n'est pas du bicycle rouge. Moi, je vous dis juste, ce n'est pas du bicycle, parce qu'on pourrait croire que là, comme ça, la vidéo, tiens, j'ai reçu un truc, ce n'est pas du bicycle, non, mais c'est comme c'est livré comme ça, et voilà. Il y a quand même les cartes en plus tout à fait. Pour faire les levées doubles, il y a tout ce qu'il faut pour faire la routine. C'est à vous de voir. Ben, moi, je l'ai vraiment survolé, parce qu'en fait, la vidéo est assez longue. Et il parle très mal. Et non, mais c'est pas ça, c'est que. C'est pas qu'ils partent. Ouais, puis en plus, c'est vachement. C'est mal tourné. Comme ils sont toujours à l'extérieur, on a un fond sonore qui est très dérangeant. Et du coup, bon, ça m'a gonflé au bout d'un moment. Donc j'ai passé, j'ai compris en fait la routine. Donc je suis pas allé plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai pas regardé le tout en entier. Mais effectivement, ça fonctionne très bien et il n'y a aucun souci. Alors, tout est fourni, il n'y a pas des magnets. Oui. Et ils y sont pas là. Si. Ah, ils y sont ? Ils sont là. D'accord.
Ok, ah oui, Voilà. c'est fin. Donc il y Donc. a des magnets en plus parce qu'il y a des choses à Ben faire. pour se fabriquer soi-même Mais quand c'est son fabriqué, geek. c'est rien à faire. Vous mettez, vous le posez et c'est bon. C'est un coup de ciseau et un coup de Voilà. scotch, on va dire, et c'est terminé. Bon, on va leur montrer pour expliquer le c'est quoi le coup de ciseau. Ah, du coup, tu dévoiles entièrement tout. Ouais, ça va. Mais attends. Ah, parce Juste ça? que ben, s'il y a le lien là. Ah. Coup de ciseau, c'est Voilà. juste ça à découper. Voilà, au moins ils savent où ils en sont. Au moins on sait ce qu'on achète et on n'a pas de surprise. S'il y en a beaucoup, on achète parce qu'on est étonné. Là, au moins vous savez pourquoi vous l'achetez. Et c'est faisable, hein, tu sais. Tu offres à la fin Ah oui, tout à fait. ton héros préféré, Batman, et tu leur as prouvé qu'il a Après, vraiment apparu sur la carte. je sais C'est pas combien ça magique, hein. coûte, donc c'est sûr que si effectivement en plus c'est un petit prix de les offrir, pourquoi pas, c'est très bien. Mais on peut ne pas l'offrir, hein, si on veut le garder longtemps. Allez, on continue. Ça, on le fera après. Une balance. On va pas faire le tour, donc il y a la C'est pas une vidéo. balance, c'est balance tout court. Balance tout Voilà. court. C'est ben balance tout. Alors balance tout court, Balance j'allais tout court. dire. L'effet balance. Tu peux Donc, montrer les pièces. ouais, on peut montrer les pièces. Sans le Alors, sans code. montrer le lien, hop, voilà. Alors, c'est très bien fait. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai regardé entièrement. Donc, j'ai tout survolé. C'est très, très bien expliqué. Les routines sont des routines classiques, mais extrêmement agréables. Donc, c'est tout simplement la routine d'une routine de Copper Silver. Sauf que, bah, effectivement, Copper Silver, on pourrait toujours dire pièce argent, pièce cuivre, ça peut être un peu lourd maintenant, ces Mais trucs-là. je n'avais pas pensé à la routine des Copper Silver parce qu'il y avait des pièces C'est les Copper jolies. Silver. Et du coup, Et. maintenant que tu me l'as dit, Voilà. maintenant qu'on l'a vu, c'est vrai que c'est une évidence. Mais le fait d'avoir changé le design, Et en plus, une routine Copper Silver, sans trop en rentrer dans les détails, quand la pièce elle est sur le côté pile ou sur le côté face, certaines se voient. Alors que là, forcément, comme on a toute une même trame et une même tranche, qu'elle soit côté pile ou face, effectivement, ça reste complètement invisible. Les pièces sont agréables à travailler, c'est en format. D'ailleurs, c'est Okay. plus grand que le demi-dollar, ça. Donc il n'y a pas de... Parce que quand on voit ça, De on quoi? pense à aimant Ah oui, non, classique. Donc il n'y oui, a tout pas à d'aimant. fait. Tu parles Voilà. comme le black and Le black white. and white, c'est pas Ouais, le non, black non, and non, non, white on peut ou... tout donner à Voilà. examiner. Matériel, il y a tout à examiner à la fin, ouais. C'est bien Et fait. ils s'abîmeront pas parce que ça touche pas le brillant. C'est Le ça. noir et le blanc, ils vont jamais se rayer parce que ça touche La pas. résine ou la peinture a été mise à l'intérieur parce que Donc c'est la nickel. pièce elle est légèrement creusée. Donc c'est quelque chose qui est très propre. Les logos en plus sont très jolis. Alors il y a eu plein de pièces comme ça qui ont été faites, mais du coup voilà, ils se sont arrêtés sur ce truc-là. C'est joli. Moi qui suis balance en plus, c'est. Y a rien à dire, ça fonctionne très très bien, les routines sont bien expliquées, ça marche. Techniquement, même si on fait enfin, qu'on fait la routine en entière, alors là, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Quelqu'un qui commence les pièces, à part à apprendre à faire un faux dépôt comme dans n'importe quelle routine de pièces, c'est terminé. Voilà, il n'y a pas des trucs de fou furieux, donc c'est très bien. Et c'est du marchand de trucs, donc Voilà. qualité C'est très très bien, toujours il au n'y a absolument rendez-vous, rien à dire. autant au niveau du packaging qu'au niveau du matériel, la qualité autant au rendez-vous. Bravo Ludo. Benoît Campana et c'est Mathieu Biche, je crois. Ouais, c'est ça, et Mathieu Biche. Mathieu Biche, Voilà. Campana, avec une association de marchands de trucs. C'est pas parce que c'est marqué marchand de trucs qu'il faut aller l'acheter là-bas, hein. Donc achetez-le chez nous, et ils feront pas la gueule, hein. Voilà, on Non, continue? pas du tout. Pas du tout. Ils sont sympas. Tu veux Eh bien, parler on de quoi, toi? a. Alors, Après, il reste beaucoup de teignons, du coup. Marc-Antoine, il va faire la gueule. Parce que. Bonne qualité. Ouais. On a... Maintenant, il faut voir à la longue. Mais. Ouais, mais comparé à des chinoiseries, on va dire, qu'on a Ouais. eu, enfin, que tout le monde a eu, et qui étaient assez délicats. Donc, c'est des D-Lite rechargeables. En rouge très puissant. Donc, je sais pas si on a la même. Ressenti au niveau de Ben là, dans le de la retour, vidéo, on voit que c'est puissant. mais on peut faire aussi vert, c'est-à-dire et on peut faire aussi bleu si on veut, mais si on veut pas, on On reste en reste sur de rouge. la Voilà, classique. si on veut faire des changements de couleur, on l'a. Tac, si on a la même lune 2, tiens, si on a la lune 2, ça fait jaune, Ouais. là ça fait rose, c'est vrai, Ah oui, tout à alors que fait. là ça fait bleu et rouge, mais les deux ensemble ça fait rose.
là, on a du jaune, alors que c'est du rouge et du vert. C'est vrai qu'ils arrachent, hein, quand tu les regardes. Ça, le pouce est bien, le matériel fonctionne bien, et on en a eu il y a très longtemps, où, à force d'appuyer, ça cassait le mécanisme, parce qu'il était mal monté. Là, apparemment, comme il est bien... Il épouse le pouce. Pour le casser, il faut vraiment y aller. Ouais. Donc là, on ne peut pas le casser là. On peut appuyer comme on fada. Et les interrupteurs, ils ne sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Donc je ne le montre pas parce que comme ça, c'est bien. Mais ils sont dessous. Donc du coup, on n'a pas qu'à pousser le doigt. C'est vendu par deux. C'est rechargeable. C'est puissant. Et je n'ai pas encore mis le prix, mais ce n'est pas cher. J'en ai pris deux. Pas beaucoup, hein, les deux, juste pour voir. Et je pense que je vais en recommander. Illico, voilà, parce que c'est pas parce qu'il fait trois couleurs que ouais, mais j'ai pas besoin des trois couleurs, on s'en fout, ils y sont. Si on a envie de s'en servir, vous voulez que du rouge, vous prenez que le rouge et ça fera la même chose, hein. Tac, 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 et voilà. Alors, on connaît pas la durée, mais pour l'instant, vu la composition, je pense que ça va pas casser aussi vite que les autres, ça va durer longtemps. On sent ça a été fait différemment, enfin, du moins les soudures. Je pense que ça peut être pas mal. Après, comme tout produit qui contient des batteries lithium, hein, que ce soit des Marc Antoine qui sont beaucoup plus chers ou n'importe quel type de D-Lite, de trucs qui contiennent des batteries lithium, pareil, toujours, si vous utilisez mal la batterie et que vous entêtez à la décharger jusqu'au bout, vous pouvez acheter du très haut de gamme comme de la merde, ça cassera pareil. Hein. Donc c'est pour ça, si les batteries sont comme bien entretenues... C'est comme le téléphone, vous le rechargez tous les jours et il dure longtemps. Exactement. Si ça, vous le laissez un an dans le placard, peut-être qu'il ne va pas durer longtemps parce qu'une batterie lithium, elle est là pour être chargée, déchargée, déchargée, mais pas jusqu'au bout le déchargement. Exactement. Même si ça tient. Ça tient parce que c'est prévu pour. L'électronique qu'il y a dedans fait que quand il te dit que tu n'as plus de batterie, c'est pas vrai. Ouais, il y a encore la marge. Voilà, il y a encore de la marge qui fait que, hop, automatiquement... Mais bon, là, non, effectivement... Donc, une batterie, il faut la charger, décharger, s'en servir. Si vous la laissez comme la... Moi, j'ai laissé mon vieux téléphone dans le placard. Elle a gonflé. Elle doit être là, la batterie, elle a gonflé et ça peut prendre feu. Donc, faut s'en servir et si on ne s'en sert pas, il faut enlever les batteries. Enfin, là, en l'occurrence, on peut rien enlever, mais bon, comme dans tous les trucs qui vendent comme ça aujourd'hui, il faut juste tout simplement penser à de temps en temps s'en servir et recharger les batteries comme toute batterie au lithium. Tac, 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 tac. On peut faire ça, tu te rappelles? Allez, on peut essayer de faire ça. Je sais ce que vous allez dire. Avis de cardboard. J'ai compris, c'est simple, je connais, peut-être. C'est la même chose que Bouddha Mystery, mais ils sont allés un petit peu plus loin. Ça. Et si on peut essayer de les bluffer aujourd'hui, ça serait bien. Alors, on va pas donc, les bluffer en... Non, mais comme on dit, c'est très vieux, c'est connu, mais c'est quand même pas mal. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même intéressant. J'ai une petite pochette. Alors regardez quand même et réfléchissez par rapport à la version classique, parce que c'est pas la même. Et cette petite pochette, elle est intéressante parce qu'à l'intérieur de cette pochette, alors je vais à chaque fois ouvrir, alors je montre, je sais pas si on voit comme ça, bien à plat, voilà. J'ai une autre petite pochette. Bleue. Ah, bleu. Et dans cette pochette bleue, j'ai une autre pochette jaune qui contient quelques petits papiers blancs. Alors je vais... T'as bien fait de te pousser, je vais le mettre là. Donc tout ça est ici. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si je prends un petit papier blanc, alors je le montre recto verso, hein, parce que autrement il n'y aurait aucun intérêt, comme ça. Et que je viens le placer au milieu. Voilà. Hop. Donc, tout ça est placé entièrement au milieu. Donc une fois que tout ça c'est dedans, hop, je pose ça ici, je referme, donc pareil, hop, et tout ça est refermé. Pas triche, vous avez vu, c'est vraiment ultra clean. Et pourtant, si maintenant on regarde, et qu'on réouvre, et bien il s'est passé quelque chose de bizarre, c'est que mon papier blanc s'est transformé. Oh. Un premier billet de banque. Un faux billet de banque. Ouais, enfin, oui, un faux, mais là j'ai mis des faux, mais bon. Ok, pas mal. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Si j'essaie de le faire avec un deuxième papier, je mets tout ça ici, dans ma petite pochette jaune. Tout ça, hop, c'est refermé. Au moins, on peut voir tout ça. Une fois que tout ça est à l'intérieur, pareil.
fermé. Donc on peut montrer de tous les côtés. Exactement. Et pareil, on peut montrer de tous les côtés. Ça va être dur de suivre. Ouais. Celui qui veut remonter, ça va être dur de suivre. Surtout pour moi, qui viens de le faire. Et si on attend un petit peu et qu'on claque des doigts, je suis moins sûr que vous. Hein. On va regarder à l'intérieur. Alors, toujours mes petites pochettes. Et abracadabra. Deuxième. Faux billet. Billet de banque. Mais on pourrait le refaire. D'habitude, on meurt, on peut aller plus loin. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on puisse aller, aller plus loin là. Mais on va essayer quand même avec le troisième. Parce qu'on se dit, mais comment c'est possible? Oui, normalement, ouais. C'est deux fois. Normalement, c'est deux fois dans la théorie. Mais bon, on va essayer. Toujours ma petite pochette. Toujours ma petite pochette. Donc rien. Je rajoute rien, je mets rien, j'empalme rien, je sors rien de la table. Je peux pas faire plus clean que ça. Et si on passe un petit peu l'esprit des billets sur cette petite pochette et qu'on réouvre, on se rend compte, peut-être, je suis pas sûr, si j'ai bien fait mon travail, mais que oui. Effectivement, dans la pochette, encore une fois, j'ai maintenant mon troisième billet. Et là, on est ultra clean. On n'a plus qu'à refermer, bam, bim, bam, boum, on range tout ça, et on a produit nos 3 billets de banque. Alors, ce qui rentre dedans, c'est des billets de 20 euros. J'ai essayé 50, ça ne rentre pas, il faudrait les recouper, donc la taille idéale, c'est des billets de 20 euros. J'ai mis défaut, parce que j'ai fait comme ça avec défaut, mais bien évidemment, vous pouvez mettre des vrais, puisque ce qui apparaît là n'est pas truqué, et d'ailleurs, les papiers blancs ne sont pas fournis aussi, donc là, j'ai mis des papiers blancs pour rester fidèle à la vidéo d'origine qu'il y a sur le site, mais vous pouvez prendre des prospectus, des billets de Monopoly et produire des vrais. Je défie quiconque de l'acheter, de ne pas regarder l'explication et de le faire direct sans réfléchir. Ouais. Je vous garantis que c'est pas évident. Et même moi, je pense que j'ai eu un coup de chance. Moi je dis bravo. Parce que. Moi je t'ai suivi, j'ai dit hop là, ouais. T'as oublié un truc. Voilà, mais non, mais finalement, c'était. Alors, c'est simple, hein. C'est juste qu'il faut retenir quelques trucs. Et comme j'ai fait des mouvements pour que ça soit un peu moins téléphoné. On a dit on va faire plein de retournements exprès pour perdre le spectateur. Voilà, pour pas faire comme dans la vidéo d'origine. Mais il faut pas se perdre en nous. Exactement. Bref, voilà, donc ça c'était avis de cardboard. Ah, j'allais profiter pour prendre ma batterie de téléphone que j'ai retrouvée. Donc elle rebondit hein, tellement elle a gonflé. Ah oui. Ah, oui, il faut imaginer cette batterie lithium plate de et donc Samsung. Vous avez vu comment ça gonfle une fois qu'on s'en sert pas. Si vous avez des vieux téléphones qui traînent dans le placard, allez-y foncer. Je suis sûr que le téléphone il a gonflé et il faut vite l'enlever pour pas qu'il explose dans le placard. Ouais, que ça prenne feu. Vous le jetez pas à la poubelle, vous la jetez directement à l'endroit spécial. Allez, on continue. Allez, ça c'est fait. C'est. T'attaques le hamar. T'en as deux belles routines. Ouais. Une que tu vas mettre en vidéo que j'ai faite à l'association hier soir. Oh, t'en as fait plein du truc, ouais. Mais on va en choisir deux. Ouais, on va en choisir trois du coup. Non, deux. Deux. Ouais, je vais en faire une avec le foulard et une avec le... Oui, que deux, ouais, ça suffira. Donc on reste dans la série des Michael Hamar, donc Easy to Mastercard Miracle. Easy to Mastercard Miracle volume 2. Donc la dernière vidéo, dernière unboxing, j'avais présenté deux numéros qui étaient dans le volume 1. Là, je vais vous montrer deux trucs dans le volume 2. Après, tu aurais pu faire la vidéo. Alors, hein. Ouais. Alors, ça reste encore une fois des grands classiques. Hein. C'est pas non plus que du Michael Hamar. Il y a de tout magicien à l'intérieur. Et voilà, donc ça, pareil, vous pouvez les yeux fermés. Il y a du très, 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 très bon à l'intérieur. Et notamment, encore un tour, j'ai dit, putain, c'est vrai. Je faisais ça il y a des années en arrière. C'était un effet qui était très, très beau. Et que je ne fais absolument plus aujourd'hui. Et comme je dis, vous allez voir, pour des profane, pour des non-magiciens, c'est hyper, hyper joli et hyper visuel. Dans l'autre unboxing, on vous en a fait deux du numéro 1. Là, on va en faire deux du numéro 2. Du numéro 2, exactement. Allez, c'est on va faire celui... Il y en a un sûrement que tu vas lancer, parce que je l'ai fait directement à l'association, donc vous allez pouvoir le voir directement. Et le deuxième, je vais vous faire celui avec le foulard. Alors, j'ai pas un foulard qui est hyper bien adapté pour faire cet effet là, mais c'est pas grave, c'est un grand foulard, j'aurais pu prendre plus petit, mais ils sont transparents, donc c'est dommage. Et l'idée va être la suivante. Donc on arrive avec un jeu de cartes, 52 cartes, donc toutes différentes. Tiens Thierry, tu vas m'aider,
comme je vois que tu es parti. Donc le jeu peut être mélangé par le spectateur, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je le fais moi pour gagner du temps, pour éviter de sortir du champ de la caméra. On peut donner à examiner la boîte, parce que ça c'est important pour l'effet qui va suivre, donc tu peux vraiment tout examiner. C'est vrai qu'elle est pas truquée, voilà. Y a pas de fente. C'est, on peut emprunter un jeu, enfin emprunter un fente, on peut emprunter un jeu à un spectateur, c'est rare d'avoir des spectateurs qui ont des jeux de cartes sur eux. Bref, mais voilà, donc il n'y a absolument rien truqué, et puis le foulard aussi. Faut qu'il soit voilà. Opaque. De préférence, c'est plus joli. Thierry, tu vas choisir une carte, n'importe laquelle, tu la prends. Tu l'as montré à la caméra, de manière, même si je la vois, je m'en fous. C'est juste pour vous montrer les faits. Super, tu la gardes. Tu vas me dire stop d'ailleurs. Stop. Voilà, tiens, pose là. Donc, alors la carte peut être signée, ça c'est important. Donc, tu retiens. Oui. Et tout ça, perdu comme ça, dans le milieu du jeu. Tu vois, juste. Et en plus que c'est perdu, c'est mélangé. Hop, on va tremper. Voilà. Voilà. Une fois que ça s'est mélangé, tout ça va être perdu dans le jeu. Je répète, c'est entièrement vide. Thierry, regarde bien, je ne triche pas. Tout ça est mis à l'intérieur. Et tout ça est refermé. Hop, et posé ici. Ah, t'as pas été sympa parce que on a du mal à suivre où elle est. De quoi ? T'as bien fait. Ah oui, bah, écoute, après c'est le principe. Alors je remonte les manches, même si. Voilà, mais on pourrait dire. Ouais, et tout ça. Non, mais on fait confiance. Et l'idée va être la suivante. Alors, je vais me mettre debout parce qu'autrement je vais pas arriver à plier le foulard. Donc le jeu est ici, donc la carte est enfermée à l'intérieur de la boîte et le principe va être le suivant. En fait, on va venir, hop, alors je sais pas si, ouais, que je cache pas, voilà. On va venir ici recouvrir en fait, enfin non, pas recouvrir, que je suis bête, c'est mettre le jeu en fait sur la main, mais au milieu du foulard. Alors la dernière fois, tu étais hors du champ avec ton foulard. Donc, si tu peux pas le faire. Mais là, il est grand, donc du coup, je sais pas si j'ai la moitié. On va venir ici, comme ça. Et on va recouvrir, donc regarde bien, de le plus lentement possible. Donc, on va emprisonner en fait le jeu à l'intérieur, comme ça, tu vois. Donc, regarde, tout ça, tu vois. Je recouvre de façon à ce qu'on voit bien la main. Hop, tout ça va être entouré ici. Voilà. Et tout ça. Être entouré là et pris comme ça, tu vois. On va essayer de faire une petite tu vois, donc vraiment on entoure en fait entièrement le jeu. Je sais pas si il va tenir, voilà, comme ça. Donc du coup moi on est complètement le jeu enfermé en fait dans le centre du foulard. Alors il est un peu grand, désolé, mais c'est pas grave. Et l'idée va être que si on fait un petit peu comme ça, on peut retrouver la carte du spectateur. Mais regardez bien, on va la retrouver d'une façon assez bizarre, c'est qu'en tapotant, je sais pas si on entend, les cartes dans l'étui. Mais ce qui est fou, c'est que si on tapote un petit peu plus comme ça, il va se passer quelque chose de bizarre. Ah. On voit une carte sortir en plein milieu du foulard. C'est vraiment étonnant parce qu'on la voit sortir, tomber. Tout de suite, on peut montrer, alors je laisse la carte ici, que effectivement le jeu était toujours bien emprisonné à l'intérieur du foulard, qu'une carte s'est échappée d'un étui qui était entièrement ordinaire, et la carte qui a traversé le foulard est effectivement le 4 de trèfle que Thierry a choisi, donc qui aurait pu bien évidemment être signé. Donc c'est un très très grand classique, ça, le Van Kiev, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, carte trou en kerchief. Je ne me rappelle plus comment on dit foulard, c'est ça, kerchief. Donc c'est effectivement un grand classique, mais très joli. Il faut imaginer ça fait dans la main du spectateur, vous tapotez la carte, on la voit traverser le foulard, comme vous avez vu là, c'est très très beau. Il y en avait un autre avec le foulard que tu m'as montré. L'autre avec le foulard, c'était... L'autre avec le foulard, c'était quoi ? Ah oui, l'autre avec le foulard, c'était ça. Tu m'en as fait deux. C'était ça, l'autre avec le foulard. Oui, si. Je me rappelle. D'ailleurs, j'ai pas besoin de ça. Tu vas choisir une carte. Pareil, donc tu prends, tu la montres. C'est beau. Ok, c'est fait. Et pareil, je pose là, de manière on s'en fout. Voilà, parce que dans tous les cas, ça va être entièrement mélangé. Donc du coup. On s'en fout. Ouais. Alors,
l'idée est la suivante. Je vais me mettre debout encore une fois. Alors moi, c'est vrai que dans le jeu, j'ai une carte qui est favorite, qui est une carte que j'aime bien. Alors, il y en a qui disent qu'elle porte malheur, il y en a qui disent qu'elle porte bonheur, mais c'est l'as de pique. Et ce qui est fou, c'est que j'ai beau, comme ça, mélanger les cartes. J'ai dû faire une erreur, je pense. On va rectifier le tir. Voilà. J'ai beau mélanger les cartes, et pourtant, en mélangeant les cartes, j'ai beau couper le jeu dans n'importe quel sens, et bien chaque fois que je demande en fait à faire appel à l'as de pique, et bien à chaque fois, l'as de pique remonte. C'est intéressant, hein ? Parce que c'est ma carte qui est favorite, c'est comme ça fonctionne. Alors je vais laisser l'as de pique en fait ici, vraiment, sur le dessus du jeu, et je vais prendre en fait le centre du foulard. Alors désolé parce que le foulard est un peu grand, mais le centre est ici. Voilà. Et je vais placer... Demande un petit peu, voilà. Et je vais placer en fait l'as de pique en fait directement sous le foulard comme ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai pas mis derrière, hein, c'est vraiment sous le foulard. Et ce qui est assez étonnant, c'est que regardez bien, si juste je le tire l'as de pique, en fait il peut traverser et passer directement sur le jeu. Ça va vite, hein ? Oui, joli. C'est vrai que c'est joli. C'est pas mal. Oui. Alors après, bien sûr, on pourrait faire plus fort, c'est que si l'as de pique peut-être a réussi à voyager, il n'y a pas de raison que ta carte ne puisse pas voyager aussi. Alors tiens, est-ce que tu peux récupérer tout ça? Comme ça, tu le tiens, bouge pas. Attention. Et tu vas me dire si tu sens quelque chose. Ah, tu as vu bouger le foulard? Mais il a bougé. Ah, il a bougé, ben c'est qu'en fait, ta carte est passée. Et effectivement, si on regarde, ta carte n'y est plus. Est-ce que tu peux ouvrir comme ça le foulard, comme un petit pochon, là? Et effectivement, on a maintenant ta carte qui est à l'intérieur. Je sais pas si c'est bien ça. Oui. Ah, c'est vrai. Ouais, coup. Et la carte a voyagé à l'intérieur du foulard. Donc, je sais pas ce que ça donne là, parce que j'étais mal positionné, mais bon. C'est, voilà, ça reste un grand classique et c'est très joli visuellement pour le spectateur. On est désolé pour la dernière fois où tu as fait la vidéo du foulard et tu étais complètement hors champ. Et ouais, mais. Et comme moi, je regardais. Tout à fait. Jérôme et pas la caméra, donc j'ai pas vu qu'il sortait. Ah, c'est pour ça que je vous ai mis la vidéo à la suite. Et le truc, c'est que, enfin, là, vous imaginez peut-être pas, mais la caméra est très près. Et du coup, comme on essaye d'avoir que cet angle-là, du coup, moi, quand je bouge, c'est vrai que facilement, j'arrive à sortir du champ et je m'en rends pas compte, parce qu'il faudrait qu'à chaque fois, systématiquement, je regarde le retour. Et c'est assez difficile. Donc, désolé pour ça, si je suis sorti du champ. Donc, ça, c'était... Ça, c'était déjà donc, des extraits de tours qu'il y a dans... Donc, ce téléchargement, le volume 2 de Michael Hamar. Qui est très bien. Qui est très très bien. Et comme il s'est servi du foulard, j'en ai profité pour aller chercher ça, qui n'est pas encore sur le site. On m'a beaucoup demandé des foulards un peu plus opaques qu'un foulard en soi. Oui, donc, alors ils sont effectivement beaucoup plus opaques. Beaucoup plus opaques. On voit quand même un peu au travers. Si je fais ça, je vois la caméra. Non, même pas, mais je... Mais eux, tu ne vois pas. Avec la lumière, on voit. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais légèrement plus opaque qu'un foulard... un foulard donc plus épais, plus opaque. C'est, on arrive à voir le jeu bicycle, hein, mais c'est léger, donc voilà. Effectivement, c'est très bien. Donc dis-moi la taille, et on a du rouge, du bleu, du vert, des 60-60, ça, non ? Le noir, c'est le plus vendu, je pense. Parce que si on veut ce style de truc, c'est pour vraiment avoir des couleurs foncées. C'est ça, 60, c'est du 60-60. 60-60. Donc c'est un carré. Bravo. Donc voilà, ça c'était les foulards, ils seront mis sur le site aussi, ben, j'ai plus le choix, je suis obligé de les mettre maintenant. Ça fait au moins 2 mois que je les ai, ou 1 mois. Mais... Non mais ils sont bien, hein. Ouais. Ils sont de bonne facture. Avec une belle couture, donc c'est le plus important, c'est la couture, c'est très dur à faire les coutures. Les petits ourlets comme ça, ouais. Ouais. Allez, boum, foulard. Là on sait toujours pourquoi il y a mon téléphone, mais on va leur expliquer. À nouveau en stock. Oui, ça c'est vrai. Donc là, pareil, il y a un client qui nous a appelé, qui nous dit quand est-ce que vous allez en avoir. Je dis ben, c'est définitivement rupture. Et 2 semaines après, bim, il est arrivé. Crystal Cleaver de Tegno, c'est revenu. En stock, donc voilà, on fait la publicité pour ça. Pas de démonstration, ça sert à rien, vous irez le voir. Tu veux le présenter ça? Je l'ai pas vu, hein, je sais pas ce que c'est. On peut le faire. Tu peux, ouais. J'ai pas vu la démo.
Donc c'est size. C'est le quatrième tour de l'année 2023 de Tenyo. C'est ça. Parce que c'est ce qui sort en décembre, c'est pour l'année 2023. C'est le quatrième qu'on n'avait pas fait de démonstration, ni d'explication, ni rien du tout. Ouais, bah comme je trouvais ça facile, effectivement, il n'y a rien de. Ça fonctionne, hein. Maintenant, bon, c'est pas mon préféré, mais je vous le fais. Je vais quand même essayer de le faire bien. Voilà, reste là. J'ai une petite pochette avec l'intérieur 5 cartes. L'As, le 2, le 3, le 4 et le 5 de trèfle. Alors je vais les retirer, ces cartes-là. Voilà, donc on va les sortir de la petite pochette, comme ça. Et, hop, une, deux, qui est mal mis, voilà. Donc, j'en ça. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et ce sont un petit peu des cartes magiques, ces cartes-là. Parce que effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que si je viens récupérer en fait juste l'As, l'As devient gros, le 2 un petit peu plus petit, le 3 encore plus petit, le 4 encore plus petit et le 5 encore plus petit. Et on a un changement instantané de taille de carte. C'est joli. Ça se fait avec des... Enfin là, avec une série de l'As au 5 et ça se fait également avec les 4 rois, piqueur, trèfle, carreau. Je m'y attendais pas, donc ça m'a... C'est joli, ouais. Oui, non, mais après, ça marche très bien. Ouais. Voilà, après, c'est pas le tour du siècle. Je croyais que c'était un diminishing card. Qui non, c'est du, non, non, c'est du quelque chose d'instantané. Voilà, ben voilà. Voilà. Au moins, comme ça, je l'aurais montré. Donc, dans la foulée, on va vous faire l'explication, mais pas aujourd'hui. Donc, il sera la semaine prochaine. Deux. Ben, c'est celui-là. Ah oui. Même, voilà. Même si on n'a pas besoin, mais comme on fait, il est ouvert et qu'on fait les vidéos de tout, on continue. On a fait plein de vidéos d'explication cette semaine. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu te rappelles? Bad Bike. Bad Bike. Pour ceux qui l'avaient pas, maintenant il y est. Du coup, Mister Danger. Mister Danger, on l'a fait voilà. Ce matin. Allez, on continue. Eh bien, on continue de manière. C'est un de mes préférés dans les Tenyo. Qui était en rupture. Ouais, qui était en rupture pendant un moment, qui est le Magic Butterfly. J'adore cet effet. Il a été obligé de re-regarder l'explication parce qu'il ne s'en rappelait plus comment fonctionnait le tour et il ne comprenait plus. Putain, non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai. Je faisais bluffer quand même. Parce que t'as dit non, c'est ultra bien fait. On peut reprendre n'importe quel Non, mais c'est pas. Quand je dis que bluffer, pas forcément, je le connaissais. Mais t'arrivais plus à comprendre. Mais ouais, il y a une mécanique qui me. Tout à fait, une mécanique en regardant la vidéo, j'ai dit non, mais c'est impossible. Et après, effectivement, oui, en le rebossant, voilà. Alors pour moi, ça reste. Parce que comme je dis, c'est. Comme il disait la dernière fois, Thierry, dans les vidéos, c'est vrai que c'est pas des choses que je vais faire en presta, mais par contre, effectivement, c'est des choses qu'on va faire quand on est en famille, à la maison. Parce que ces petits objets de Tenyo, ça fait gadget le plus souvent. Mais c'est quand même très joli. Et il y en a certains, et effectivement, il y en a certains, comme on va prendre Flash Cube, on va prendre Cash, on va prendre ça, qui sont vraiment quelque chose où l'objet en lui-même est déjà joli, ça ne fait pas gadget non plus, mais c'est quand même très puissant. Et c'est pour ça que moi, ça a été un de mes meilleurs, le Magic Butterfly, parce que je trouve que c'est tellement pur l'effet, on ne peut pas faire plus net, je trouve ça magnifique. Allez. Donc voilà, mais attends, allez, d'abord il faut que je le monte parce qu'en fait je l'ai pas monté. Prouve-nous que ce donc, que tu dis est vrai. Et ouais, en fait je l'ai enlevé, mais bon, c'est pas grave, on va le faire devant les gens, au moins comme ça on prouve qu'il n'y a rien de particulier. Et en plus, le matériel est joli, ça fonctionne très très bien. Et voilà. Alors, juste un petit truc, ouais, je. Hop. Donc je vais le montrer, c'est Magic Butterfly de Tenyo. Donc à nouveau en stock. Attends, je suis en train de faire une bêtise. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'en recommande automatiquement la semaine prochaine. Hop là, laissez-moi juste faire quelque chose, 2 secondes. Autrement. Ok. Ok. Allez. Il y a un truc que je me rappelle plus. On arrive comme ça, on montre avant de commencer vraiment 4 petites cartes. Donc j'en ai pas 5, 6, j'en ai 1, 2, 3 et 4.
Ces quatre cartes représentent en fait quatre petits papillons de couleur. Alors j'ai quatre couleurs. J'ai un papillon vert, un papillon jaune, un papillon bleu et un papillon, comme vous pouvez voir, rouge. Je les laisse ici pour le moment parce que tout ça, d'ailleurs, peut même être mélangé. Et en plus, ça peut même être mélangé, ça peut être même coupé par le spectateur. Donc tu peux toi-même couper. Voilà. Et encore une fois. Enfin, encore, en fait, autant de fois que tu as envie, en fait. Donc, c'est pas. Donc, il n'y a que 4 cartes. Et de toute manière, on s'en fout parce que le choix du spectateur va être complètement libre. Il va m'arrêter sur n'importe quelle carte. Donc, automatiquement, il a le choix qu'entre 4 papillons, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. J'ai ici une petite boîte. Alors, d'abord, je vais montrer. Je vais juste monter ça devant vous. Il n'y a rien à l'intérieur. Hein. C'est vraiment juste une petite boîte qui va me servir pour recouvrir ça. Alors, je vais juste là. La monter devant vous, désolé, j'aurais pu le faire juste avant. Mais. Hop. Mais du coup, je l'avais pas préparé. Un petit peu plus carré. Voilà. Ma petite boîte. Ici, un petit socle. Alors, on connaît tout ça, les trucs où on vient planter comme ça les index, moi. Les insectes dessus. Donc, c'est une petite boîte entièrement transparente. Bon, donc on voit vraiment, exactement. Donc il est entièrement vide avec juste le petit pic au milieu et tout ça je vais fermer en fait. Et je vais laisser, alors je laisse les cartes ici mais pour le moment c'est pour ça que je ne veux pas y toucher. Je vais laisser en fait ça, juste ici et au moins on n'y touche plus, d'accord. Donc c'est dedans, on n'y touche plus, il n'y a rien autour, on peut voir sur tous les côtés, il n'y a rien de spécial. Thierry, je vais défiler comme ça les cartes une par une. Donc on peut les défiler comme ça très rapide ou lentement et quand tu veux tu me diras stop et je m'arrêterai. Donc je peux pas faire plus clean que ça. D'accord. C'est je défile et quand tu veux tu me dis stop. Stop. Ah stop ici? Oui. Donc tu t'es arrêté sur un papillon. Est-ce que tu peux regarder la couleur du papillon? Bleu. Sûr? Tu oui. Me mens pas? Non. Bleu. T'imagines, tu aurais pu choisir n'importe quelle couleur de papillon puisque ton choix forcément il n'avait que 4. Ce qui est assez magique. C'est que je t'avais montré quelque chose de vide dans cette petite boîte. Oui. Et pourtant, si on envoie un petit peu ce papillon magique de couleur, tu m'as dit quoi, au fait? Bleu. Couleur bleue. Eh bien, ce qui est fou, c'est que j'ai maintenant mon petit papillon planté sur l'aiguille de la couleur que tu as choisie. Déjà un donc papillon c'est caparé, c'est joli. Déjà un papillon caparé, là dedans, on se demande comment c'est possible, c'est hyper joli. Qu'il soit bleu, c'est encore plus. Qu'il soit en plus de la couleur de ce que tu. De la carte que tu as choisie, c'est. Je trouve tellement l'effet d'une simplicité très pure que c'est vraiment fabuleux. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer la couleur du papillon parce que effectivement, la carte que choisit le spectateur, eh ben, on ne peut pas la connaître, donc on peut faire varier tout ça. Voilà, donc ça c'était Magic Butterfly. C'est joli. Hein. Assez magnifique. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment. À chaque fois il y a des petites subtilités, des petites. C'est très subtil. Des petits trucages sur les teignots et c'est ça qu'on aime. C'est très subtil et surtout, enfin, pour moi c'est un teignot qui ne fait pas gadget. Parce que ça reste une petite boîte, vraiment une boîte. Ben, je veux dire, on peut y aller, hein, ça reste une boîte en plastique. Ouais. Ça fait pas l'objet. Et on peut s'arrêter voilà. Vraiment sur n'importe quelle carte. Tu t'arrêtes sur n'importe quelle carte. C'est, en fait, ce que je viens de faire là, je peux le faire 10 fois. Ça oui, sera oui, la même chose. Voilà. Non, mais il n'y a pas. Tu m'as dit stop là, attends, j'élimine. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est ça qui est bon. Genre, c'est d'une pureté, mais vraiment déconcertante. Et ça, bah, ça reste une petite boîte en plastique, en polypropylène. Donc, il n'y a absolument rien de truqué là-dedans. Donc, moi, c'est. Bravo. Bravo pour cet effet-là. J'adore. Il en reste 2. Tu vas faire celui-là. Alors, j'ai eu peur d'en prendre beaucoup, parce qu'on en prend beaucoup, après on se dit, est-ce qu'on va arriver à les vendre? Alors des fois on en prend 2 et après on se dit, mince, il en manque. Mais là, j'ai dit, j'en prends quand même. Je le referme même pas, j'ai mis le... On ne sait pas pourquoi il a eu du retard. Ouais. On a tout reçu ce matin, tout est parti aujourd'hui, tout ce qui attendait ça. Malheureusement, j'ai fait 2 envois, donc le 2e envoi était à mes frais. Normalement, quand il y a du précommande, on fait qu'un seul envoi, mais là, j'ai pris le risque, je voulais envoyer à l'avance. C'est pas grave. C'est Noël, c'est cadeau. Et l'idée est bonne, parce que je me suis dit, le changement, il va falloir bouger, faire des bruits, faire des machins.
comment il va le faire. Et c'est vrai que finalement, c'est du teignon. Hein, c'est du teignon, c'est du... C'est bien fait. C'est d'une super idée. Et il me l'a donné à examiner, Jérôme. Alors, c'est compliqué parce que si vous achetez ça, vous allez recevoir l'explication avant de recevoir l'objet, donc vous allez voir l'explication et vous saurez jamais si on peut le donner à examiner ou pas. Parce qu'une fois que vous savez comment ça marche, vous allez regarder directement où il est le trucage. Mais moi, il me l'a donné au début, j'ai tout regardé, j'ai pas forcé, j'ai juste regardé, parce que mon idée, c'est qu'il coulisse, il se cache, il se met dans un coin, et quand tu regardes ça, tout autour, il y a une paroi. Donc, elle peut pas passer. Tout à fait. Et il peut pas se mettre quelque part, et j'appuie, je touche. C'est ce que j'ai fait naturellement, j'appuie là. Et puis coulisser, on est à 2 mm du bord. Et après on se dit, tiens, donc où il peut se placer. Il devrait sortir. Parce que l'idée, c'est qu'il va se placer quelque part pour que ça passe. Mais là, le petit bonhomme, c'est le même jaune que le gris. Hein. Il n'est pas plus grand le jaune que le gris. Et on se dit, il n'y a plus de place. C'est pour ça, c'est ce qu'on va montrer direct. Donc c'est toutes ces réflexions-là que je me suis posées. Et j'ai dit, bah, vas-y, fais-moi le tour. Donc le petit bonhomme est effectivement la même taille ici. Et effectivement la même taille sur la partie jaune, mais effectivement la même taille à, je vois pas, à l'intérieur. Et il y a une paroi, donc il peut pas aller ni à droite, ouais, ni à gauche, ni en haut, pas ni bouger. En bas, ni à droite, ni à gauche, ni dans les angles, ni il peut pas bouger. Mais de toute manière, s'il sortirait, il sortirait du cadre, étant donné qu'on est très très proche des limites. Donc du coup, maintenant qu'on vous a dit ça pour justement on va dire, valoriser le tour. Non, parce que c'est ces questions-là qu'on va se poser, oui, qu'on va faire à l'autre. L'autre, il va dire oui, peut-être que... Voilà. Très important. Donc, j'examine. Donc, une petite plaque, voilà. Donc, tu vois, c'est en... Transparent. Transparent, PMMA. Donc, tu peux bien constater que les épées ne peuvent pas traverser tout ça. Moi, je suis en face et j'examine. Voilà. Rien. Voilà, est-ce que les épées peuvent traverser? Bien évidemment, non. On peut donc tout donner à examiner, et donc y compris effectivement le petit contenant d'où le bonhomme va être dedans. Voilà, donc il y a des trous, et on peut voir que tous les trous coïncident. Et là, c'est bouché. Voilà. C'est bouché. Et je vois pas de petits mécanismes qui pourraient me donner une idée. Parce que c'est ce qu'on cherche. Exactement. Allez, tu prends le petit bonhomme, tu le mets à l'intérieur. Alors. Voilà, tu refermes tout ça. Et maintenant, pour être sûr... Il n'y a rien qui bouge. Voilà, que je ne fais pas des choses où je vais retourner la boîte ou un truc comme ça. Et toujours là. En fait, on va venir fermer la boîte. Donc, je peux le mettre dans tous les sens, il n'y a rien qui bouge. Tac. Effectivement. Donc, on va venir fermer la boîte. Hop. Au moins comme ça, c'est nickel. Et on ferme la boîte par ça. Au moins comme ça, on est sûr dans ce truc-là que tu vois, je ne peux pas ouvrir. Et tu peux examiner. Et il n'y a rien qui bouge. Voilà. Pas de bruit. Donc au moins comme ça, tout est scellé. Tout est scellé, on ne peut pas soulever, okay, on ne peut rien faire. Et maintenant, regarde bien. Si je prends la petite aiguille comme ça et que je viens me balader, par exemple, même en plein milieu, on se rend compte que... Ne bouge pas, on va croire que c'est un trucage. Ouais, bah, si tu veux. Mais tout ça, ça traverse réellement, pas triche. Comme il fait Michael Châtelain. Sur pic. Hop. Et là, on peut comme ça enfoncer toutes les petites épées. Donc, il n'y a pas d'ordre. Dans le corps, il n'y a pas d'ordre. Ouais, tu veux où? Le pied, les pieds, allez. On peut faire n'importe quel sens. Le spectateur peut lui-même passer. C'est tout à fait. C'est pas en appuyant sur les pics. Ah non, on voit bien que voilà, c'est à peine je souffle. C'est pas en appuyant qu'on fait bouger le mécanisme. Il m'en manque un. Donc il n'y en a pas d'avance. Non, il n'y a pas d'avance. Je croyais qu'il y en avait d'avance, mais pas du tout. C'est une bêtise que j'ai dit. Donc, et dans l'explication, il dit qu'il y en a deux d'avance. C'est pas vrai. Ouais, je croyais qu'il y en avait deux en plus de petits picots. Et tout ça, ben, on voit bien que ça a entièrement traversé de part et d'autre. Donc c'est des vrais picots. Hein. Si j'appuie, on voit bien qu'ils remontent de l'autre côté et que c'est bien ces picots-là. Et pourtant, si je renlève tous les petits picots, un par un, bien sûr, hop, je renlève tout ça. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est que une fois que tout ça a été enlevé, encore une fois, je laisse le soin, mais je le fais moi, le petit bonhomme est dedans et il n'a pas été transpercé. Voilà, donc c'est un petit gadget qui par son mécanisme fonctionne très très bien.
C'est très bien fait, comme d'habitude, de toute manière. Si Tenio sort des trucs, c'est que ça fonctionne. Déçu, hein. Oui, non, mais il y en a qu'on est déçus. Enfin, oui, il y en a qu'on est déçus. On les garde quand même dans la collection, mais voilà, c'est pas du grand art, mais là c'est pas mal. C'est à vous, de toute façon, vous jugez vous-même d'après vos yeux, hein. Exactement. Voilà. Et il m'en reste pas beaucoup, mais il m'en reste. Mais j'en ai recommandé pour la semaine prochaine, parce que ce week-end il y en aura plus. C'est comme ça, c'est la loi de la. Donc vie. Ça, c'était. Le Mister Danger, donc de la série 2023. Bien vu. Et reste celui-là. Oui. Alors, pour tous ceux qui nous ont demandé l'explication de Maxime et qu'à chaque fois je dis on va le faire, c'est parce que pour pouvoir faire une explication d'une application, il faut l'acheter, la mettre dans le téléphone. Et se taper toute l'explication en français, comment le mettre, tout ce qu'il faut faire. Et il faut être du calme. Il faut que Jérôme soit au calme. Donc je me mets à faire toutes les commandes tout seul. Et lui, il se met au calme à faire ça. Et c'est ce qu'il a fait toute cette semaine. Il a commencé lundi, on est vendredi. Je crois que tu n'as pas tout compris. Mais les 90%... Ouais, j'ai pas tout compris parce que ça fait que parler anglais. Et puis, comme vous le savez, moi et l'anglais, ça fait deux. À part si c'est sur papier. Mais il est capable de vous faire l'explication, mais pour oui. vous expliquer les 99% de choses, à peu près. Bah, disons, ouais, on va dire de comment fonctionne l'application, comment s'en servir, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'après, on peut aller plus loin, mettre ses propres mots. Non, en fait, voilà, c'est qu'après, on peut aller beaucoup plus loin, et du coup, ça, je ne suis pas rentré dans les détails de tout ça, puisque personnellement, moi, j'en ai pas besoin. Et là, moi, le but, c'est quand vous achetez les faits, c'est vous achetez ce que vous voyez en vidéo. Mais c'est vrai qu'effectivement on peut personnaliser. Alors si personnaliser ça c'est facile. C'est qu'il y a des trucs à un moment il part sur des trucs un petit peu plus compliqués où j'ai pas saisi le à quoi ça sert en fait. Alors, voilà. Parce que le mieux c'est de faire le tour et après de dire les choses. On l'a fait à l'association hier soir pour le tester parce qu'on s'est dit on va voir comment ça peut donner comment amener la chose. Il a fait 3 ou 4 fois. Ouais, 3 fois. Et Claude Arlequin, il était si là ça marche, je me jette à la. Et en plus, je l'ai pas fait bien. Puisque, tu testes tes mots. Voilà, je teste mes mots, je teste les trucs. À un moment. Ça marchait. Voilà. De toute façon, on les a bluffés, mais t'avais pas les bonnes paroles, les bons mots. Mais c'est extrait. Enfin, c'est une. Au contraire, là, j'ai l'impression que j'en parle comme si c'était nul. Au contraire. C'est une tuerie, voilà. Mais comme je l'ai mal présenté, du coup, j'étais déçu, on va dire, un petit peu de moi. Mais alors, par contre, l'effet, c'est bien amené. C'est exceptionnel. Voilà, Et j'arrivais pas à comprendre comment l'amener avec ce téléphone. Oui. Et tout est bien fait. Ils ont trouvé des bonnes idées et ça noie le poisson. Ah, il n'y a absolument rien à dire. Tu le fais ? C'est exceptionnel. T'as un jeu de cartes ? Non. Ah, tu l'as même pas. Ah non, ah. C'est. En couple, tu le fais, non ? Non, mais mets, c'est dommage, mets la vidéo de à l'association. Ah, c'est dommage, tu aurais pu me le faire, là. Non. En couple, tu le fais, tu vas chercher un jeu de cartes. Allez, pour 3 minutes. Allez. Justement. Allez. Non, mets la vidéo de l'association, même comme ça, je suis plus à l'aise pour vous montrer les 10... Parce que il suffit que juste là, on le fasse... Pas jeu de cartes, c'est vrai, je crois que tu non, mais et qu'on soit dans les mêmes étapes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir dans ce principe-là, c'est que effectivement la carte donc va sortir à une position donnée. Mais en gros, on prend un jeu, on le fait couper dans tous les sens. Lui, il met son timer en il dit que je mets un temps sur. Je vais mettre un temps au hasard. Voilà. Je vais démarrer le timing et le téléphone va sonner. Au moment où il sonne, vous arrêterez. Vous arrêterez de mélanger les cartes. De vous passer le jeu de cartes et de le couper parce que imaginez, j'ai choisi le 6 de pique. Eh bien, le 6 de pique, là, il est à une certaine position. Mais si je recoupe, il est encore à une certaine position. Exactement. Et au moment où lui dit stop, eh bien, si j'avais eu envie de le faire, je ne le fais pas. Et là, c'est le hasard qui fait qu'il est quelque part dans une position qu'on ne peut pas connaître. Sur le timer, hop. Allez, je commence à couper. Ah ouais, tu peux. Tu peux. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? C'est vrai que le 3 de cœur se positionne, oui, voilà. C'est bon ? Claude, si on voit sa gueule. Tu coupes. Voilà. Et quand le téléphone s'arrête, j'ai mis un peu plus que tout à l'heure, d'accord, je vous le dis, quand le téléphone sonne, tu la fais pas, okay. Tu poses, moi je veux, voilà. C'est bon. Non, je vais juste arrêter. Voilà. Combien j'avais mis
23 secondes. Ah oui. 23 secondes. 23. C'est-à-dire que à une seconde près, tu coupais. Tu coupais. Ah ouais, oui. Et c'était foutu. 23 secondes, je te l'ai prouvé. T'imagines si on compte 23 cartes. Non, et non, qu'on tombe sur le 3 de cœur, ça ne va pas. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois. Si là tu me sens ce putain de 3 de cœur, je pars de suite. 3 de cœur, 3 de carreau. 3 de carreau. 3 de cœur. Tu peux prendre, Damien, le jeu et compter 32. Tu peux lui retourner face en l'air comme ça. 1, 2, moi je pense que c'est ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tu peux mettre la 32e ici? C'était quoi votre carte, vous avez pensé? Alors c'est un miracle. Mais non. Ça, moi j'ai fait plein de petits. Donc à partant de là, c'est absolument impossible. Ah de... ben non, ça non, c'est pas possible. Et si tu tombes sur le mauvais coucheur, il coupe pas, hein. Oui, il peut ne pas couper, mais c'est impossible. Bah il nous le refait. Là, on peut essayer de le refaire pour être. On peut essayer. Je le prends. Je dis bien, tu fais ce que je te dis. On peut essayer. On peut essayer. Regardez la tête à Damien. Non, mais attends, t'as vu la mienne. C'est la troisième fois. Tu sais quoi? On va essayer d'aller plus loin, mais tu sais quoi, tu sors ton téléphone aussi, on met un timer ensemble, okay. Au moins comme ça, on ne peut pas penser qu'il y a une trick, d'accord. C'est-à-dire que, voilà, donc on va dire, oui, mais tu racontes ce que tu as envie. Non, il met, on va le mettre ensemble. Tu vas penser à une carte, mais pas... Non, pas motivé. Ouais, c'est, voilà, si tu commences à penser ça, c'est ça bon. Ça y est. Tu l'as dans ta tête? Oui. Tu peux me le dire, mais c'est du moment que tu me le dis. Le valet de carreau. Moi, je vais te donner ça. Donc là, le valet de carreau, moi, je sais qu'il est en 28e position. Donc tu vas couper le jeu. Je t'ai eu, hein. Tu vas couper le jeu. Je vais couper le jeu. Tu coupes le jeu. Voilà, tu peux le faire, mais fais-le dans le dos. 32. Tu commences à couper et moi, je vais mettre un temps. Alors, je vais le montrer. Ah, je commence à couper? Ouais, commence à couper. Si là, tu veux sur le valet de carreau, tu prends le jeu dans la tronche. Tu mets... C'est impossible. Mais c'est impossible, je coupe. Coupe, je filme. Mais allez, coupe. Tu coupes. On a mis le même temps. Donc on va voir. Bah après, je sais pas quand on l'a lancé, mais à une seconde près. Mais tu regardes pas le jeu. Ah non, je rentre pas. Dès que ça sonne, t'arrêtes, top. On est bon toi aussi? Ouais, bon, je l'ai lancé un peu avant. Ok, stop. C'est bon? D'accord. Voilà. Il peut pas voir le jeu. C'est bon? Oui. Tu le poses? Ah non. Maintenant, on va faire mieux que ça. Non, tu peux pas le voir. Ah ouais, bah si tu veux. Alors, l'idée va être la suivante. Parce que j'ai mis en un laps de temps d'écart. Mais bon, il y a 3-4 secondes d'écart. Donc c'est pas non plus. C'est selon ce que vous dites à 18, 3-4. C'est. Pour faire simple, à 3 secondes près, on est quel mois au fait? Décembre. On est au mois de décembre. 12. Décembre, c'est décembre. Attends. Décembre. Décembre. D-E-C-E-M-B-E-R, c'est comme décembre en français en December, fait. Oui. C'est. Tiens, bien prendre ton jeu comme ça, mets-le face en l'air, voilà. Et t'imagines si à chaque lettre que tu épelles le mot décembre, parce que là on est juste au mois de décembre, j'aurais fait un jour avant, donc t'es au mois de novembre, tu peux épeler comme ça l'as de carreau avec le D. Voilà. Si tu sens le valet sur le. Non, non, c'est jamais, c'est. D-E-E-C-E-M-B-R-E et valet de carreau. C'est exceptionnel. C'est quand même fou. On le refera en janvier. On t'a bien eu là. Donc voilà. C'est la vision. Donc ça s'appelle Maxime, alors on peut faire. Et pourtant, Jérôme, il sera capable de dire on est quoi en décembre? On appelle décembre, ou décembre, c'est la même chose, décembre, et on tombe sur la carte choisie.
Ou alors, exactement. C'est l'huit de pique, on appelle huit de pique, et on tombe sur la carte choisie. Exactement. Alors qu'il n'a jamais touché le jeu, le jeu a été coupé dans le dos ou passé dans les mains des autres. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pour ça, comme on a trois versions, alors c'est une chance, parce qu'en fait, je sais que dans le teaser, on voit beaucoup la carte qui était pelée. Mais attention, on ne peut pas choisir à l'avance, effectivement, si on va épeler la carte ou pas. C'est en gros le téléphone qui va vous donner les possibilités que vous allez pouvoir dire au spectateur pour pouvoir sortir la carte. D'accord? Déjà, si je coupe le jeu autant de fois que je veux, vous me dites une carte et je vous le dis, elle est en 27e position. C'est énorme. C'est énorme. Mais si à un moment donné... Là, on est, le 25 janvier. Lui, il décide de vous donner plusieurs options. Tiens, tu peux épeler décembre. Tu peux dire bon anniversaire, maman. C'est tu ça. Peux dire Corinne, parce que tu le fais à Corinne ce jour-là. Tu peux épeler la carte. C'est lui qui va vous décider. C'est ça. Si vous allez faire ça, ça ou ça. Il va vous donner plusieurs options et vous choisissez. Vous choisirez. Voilà. C'est pour ça que je dis que si on le refait, qu'on tombe sur les mêmes, c'est complètement ridicule. Voilà. Hier soir, tu as dit tiens. On l'a fait trois fois d'affilée hier soir et j'avais trois choses différentes, ouais. Ce qui est très bien, et du coup, c'est pour ça que j'ai pu le refaire et le refaire, et ça les a à chaque fois boum boum boum. Ça à les a tués. À un moment donné, le téléphone, il lui a dit, il s'est arrêté à 23 secondes. 23 secondes. Ah ben tiens, le timer s'est arrêté à 23 secondes, on va compter 23. À un moment donné, fallait épeler la carte. 8 de pique, boum. Ah ben non, si tu épelles. Décembre. Ah non! Si tu épelles décembre et tu trouves ma carte, il s'est énervé, Claude. Donc, en gros, c'est un miracle et vous n'avez pas besoin de mémoire. Vous pouvez faire la même chose avec un chapelet Tamaris, par exemple, et vous faire travailler votre mémoire et dire, viens, 28e position, tu comptes ailier. Mais là, vous n'avez plus rien à faire. Non, mais pour dire. Oui, c'est quasiment impossible, en vrai. Enfin, si, c'est possible. On peut le faire pour celui qui travaille pendant des années. Là, vous allez faire la même chose sans vous casser la tête. Vous faites rien. Ils ont juste à couper et de s'arrêter au moment où lui, il fait tut 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 tut. Toi, tu te mets devant ton téléphone, t'arrêtes le chrono. Tu arrêtes le chrono. Boum. Et là, c'est parti pour faire ton show en disant tatati, tatata, quel jour on est, c'est quoi la date d'anniversaire, c'est quoi, on épelle. Et en plus, vous pouvez le programmer pour faire ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez épeler au chanteur préféré des personnes qui sont là, ça pourrait marcher. Du moment où vous l'avez... J'attendais que tu finisses la phrase, effectivement. Tu crois que je dis des bêtises? Du moment où vous l'avez pensé à l'avance, tiens, ce jour-là, on va faire des tours chez des amis, ils sont fans de Johnny Hallyday, tu peux rentrer Johnny Hallyday, tu peux rentrer toutes ces chansons de Johnny Hallyday. Et à un moment donné, si tu épelles la chanson et ça tombe dessus, bim, ça marche. Tout à fait. Vous pouvez faire plein de choses. Le minimum et le maximum. Et tout ça, ça sera bien expliqué en français par Jérôme. Donc après, ça sera plus facile pour vous pour décortiquer. On n'a pas fait encore l'explication. Donc ceux qui regardent, ils vont m'appeler, ils vont dire, ça y est, vous l'avez fait. Pas encore. Mais voilà, ça vient. On y arrive. Et maintenant, il nous faut le temps de la semaine prochaine de le tourner au calme. De préparer une nouvelle unboxing en même temps, parce qu'à chaque fois ça arrive. Et Noël. Voilà. Et Noël en même temps, puisqu'il y a les commandes, les colis, les gens qui nous appellent. Toujours pas envoyer de mail, appelez-nous, pas de SMS, parce qu'il y a SMS maintenant, il y a mail, il y a WhatsApp, maintenant ils me trouvent sur WhatsApp. Il y en a de tous les côtés, des mails et des messages, mais appelez-nous, ça va tellement plus vite. Voilà. Malheureusement, il y en a d'autres qui préfèrent travailler différemment, envoyez des mails, on vous répond. Ou c'est l'inverse, appelez-nous. C'est ça, parce que nous, on n'est que deux. Donc, il y en a, ils ont des équipes exprès pour ça, qui font que des mails, que des téléphones, que des trucs. Je peux parler au téléphone et travailler en même temps. Par contre, je ne peux pas faire des mails et travailler en même temps. Donc, c'est pour ça que, appelez-nous, on a le téléphone comme ça, pendant qu'on ferme un colis, on le pose, on met sur haut-parleur, on ferme un colis, on vous répond. On peut tout faire à la fois. Mais les mails, on ne peut pas, parce qu'on est obligé de perdre du temps à s'asseoir. Et voilà. Et c'est vrai qu'on n'est que deux, avec ma femme qui ferme les colis. Voilà. Ouais, mais bon, si elle répond en thaïlandais les mails, bonjour, il vaut mieux que vous nous ayez au téléphone. Ouais, parle thaïlandais, ma femme, on ne sait pas si elle comprend ce qu'elle raconte.
Moi, je comprends rien, en tout cas. Allez, bref. Bon petit unboxing. Ben, au final, on était parti avec... Oui, à chaque fois, on dit... On dit petit, mais à chaque fois... On dit deux, trois trucs, et puis finalement... On a passé un bon moment. Ça dure une plombe. Il y en a beaucoup qui aiment bien ce qu'on fait, qui nous disent « on a passé un bon moment ». C'est vrai qu'il y en a qui le regardent en plusieurs fois. Ils ne regardent pas tout parce que c'est long. Peut-être encore une heure, je ne sais pas quelle heure il est. Oui, c'est ça. Encore une heure. C'est ça. Un peu plus d'une heure. Eh oui. Bon, ben, merci à vous. Merci d'être fidèles. Ben, nous, plus vous êtes fidèles, plus nous, on a envie de continuer à vous faire plaisir. Mettez des j'aime encore une fois. Ça mange pas de pain pour vous et ça fait plaisir pour nous. Voilà. Merci à tous. Allez, à bientôt. À tout bientôt. Bye bye.